Salut, c'est Christophe le Poissonnier. Aujourd'hui, on va faire une recette simple avec des filets de dorade royale et des légumes de saison. Alors, pour les légumes de saison, j'ai pris des patates et des courgettes. Les patates, je les ai fait cuire déjà pendant 30 minutes et on va les faire revenir à la poêle dans l'huile d'olive pendant un quart d'heure environ. Et ensuite, on mettra à cuire les filets de dorade. Alors, les filets de dorade, c'est du filet de dorade royale. Il existe deux types d'apports pour la dorade royale, soit la dorade royale sauvage, soit la dorade royale d'élevage. C'est riche en oméga 3. En France, on a de très très bons élevages de dorade royale. C'est juste parfait. Donc, comme c'est riche en oméga 3, bon pour la santé, on n'est pas obligé de rajouter beaucoup de matière grasse. Bon, on va déjà s'occuper des légumes. Un quart d'heure, la cuisson des légumes dans un petit fond d'huile. Voilà, on a cuit une première fois 3-4 minutes du premier côté. On va retourner nos filets de dorade pour 4 minutes de l'autre côté. Hop. Vous voyez, c'est un filet qui tient vraiment très très bien. On va poivrer un petit peu. Alors, poivre au moulin. Hein. Le sel, on le mettra en fin de cuisson. Ok, donc nos filets de dorade sont cuits, il ne reste plus qu'à les servir dans l'assiette. Et si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter un léger filet de citron. Allez, bon appétit!